Bonjour et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de la démence, de l'Alzheimer, avec le docteur Amina Sourifane, qui est consultante psychiatre et également la présidente de l'association Alzheimer de Maurice. Docteur Sourifane, bonjour. Bonjour, Jean. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'émission Agir ensemble. Nous vous causons un peu aujourd'hui sur l'Alzheimer, sur la démence. Mais avant cela, vous avez toujours été présente dans nos locaux, dans nos émissions, pour parler certainement tout ce qui a trait à la psychiatrie. Vous avez fait une longue carrière dans le domaine. Alors, racontez-nous un petit peu aujourd'hui, très impliquée, très active dans le social. Oui, merci, Jean. Ben oui, c'est vrai, une bonne carrière dans le service public, hein, donc, que j'ai quitté l'année dernière, mais toujours, naturellement, consultante en psychiatrie, mais surtout, tout le problème social, économique, que passent les gens. Il y a beaucoup de problèmes, mais beaucoup de temps donné maintenant. Je suis dans la clientèle privée, naturellement, mais beaucoup avec les personnes âgées. La démence et l'Alzheimer, c'est une passion maintenant, mais j'ai fait toutes les étapes avant. C'était la santé mentale, c'était s'occuper de la santé mentale des enfants, des femmes, les problèmes de violence. La violence domestique à Maurice, ça a été un grand parcours aussi avec les associations comme WIN et Genderlinks et tout. J'ai fait pas mal dans le côté social avec le Lions Club de Coeur-Pipe que je suis toujours. J'aide dans tout ce que je peux avec les personnes. On fait les greffes de cornée tous les années pour avoir de l'argent pour emmener les cornées à Maurice parce qu'on ne peut pas avoir les cornées. Mm-hmm. Donc, on apporte ça. Et puis, les équipes des chirurgiens du Pakistan, professeur Wajid qui fait le travail, et là, il vient dans 2 semaines encore mm-hmm. pour faire cela. Donc, j'essaie de donner pas mal parce que je pense que comme psychiatre et comme une personne passionnée par les gens et les problèmes autour, ben on doit le faire. Et j'adore, je le fais, je suis contente. Docteur, vous avez parlé il y a un instant de la situation économique, de la situation sociale. Aujourd'hui, on parle de stress voilà, dans le pays. C'est ça. On parle même du mal, du siècle. Alors, le stress, oui, tout le monde est stressé. Alors, le stress... Vous êtes sur le terrain, mais comment ça se passe? Dites-nous un peu. Mais le stress, c'est là, c'est permanent. Il y a le bon stress, le mauvais stress. Mais le stress a été vraiment mal depuis le Covid. Le Covid a apporté vraiment une précipitation de tout ça. Il y a eu toute la quarantaine, les fermetures, les écoles fermées, les personnes ne travaillent pas, les situations économiques, financières difficiles. Donc, ça a apporté un plus de stress. L'anxiété est là, l'angoisse est toujours là. Et il y a ce qu'on appelle beaucoup, les gens ont vécu des moments très terribles, perdre des familles, perdre des proches. Donc, il y a les effets post-traumatiques qui sont encore là. Et aussi, maintenant, on parle de l'effet long COVID. Les gens qui ont affecté par le COVID, la maladie, qui a souffert beaucoup, maintenant, on voit que pas mal de ces gens entrent dans une espèce de déprime, entrent dans une maladie neuropsychiatrique que l'on voit. Et là, on commence à parler de la démence, non pas seulement de la maladie d'Alzheimer, mais les effets inflammatoires et, sur le cerveau. Et là, on a des recherches qui sortent maintenant sur ça, parce que je suis aussi, j'ai oublié de dire, je suis membre du board international de Alzheimer maintenant, je représente la région et l'Afrique. Félicitations, docteur. Je travaille pour militer qu'il y a beaucoup plus d'associations, que l'Afrique se réveille, parce que pour le moment, on a 55 millions de personnes avec une démence Alzheimer dans le monde, et 2030, ça va presque, même pas doubler. Mm-hmm. Et 2050, on aura le triple, donc 150 millions en 2050 qui vont avoir cette maladie. Et les causes sont multiples. Et donc, tout ça m'interpelle et tout ça, je suis engagée à ça et je vais continuer à apporter mon soutien vis-à-vis de ça. Docteur Amina Sourifane, on entend beaucoup ces mots, ces termes qui sont reliés au stress, l'anxiété et autres. On entend beaucoup de médecins aujourd'hui parler de ces choses-là. Oui. Est-ce que ça fait partie de la vie aujourd'hui, le stress, l'anxiété et tous ces petits soucis qui concernent le mental,
Ben, définitivement, nous tous, on est arrivés dans cet état, mais c'est multifactoriel, hein, c'est pas une cause, un traitement. Et surtout, c'est pas aller vers seulement les médicaments. Aujourd'hui, c'est beaucoup. On doit faire retourner vers la prévention. Mmh. On doit se revoir. Chaque personne a sa capacité de gérer son stress de différentes façons. Mais il faudrait avoir beaucoup d'interventions par non pas seulement les médecins et les infirmiers, les professionnels, mais les gens autour, les paramédics, mais les associations, les familles. Et je crois les familles, les amis... la communauté elle-même doit se réveiller et non pas... Il faudra changer cet individualisme qu'on a et retourner vers la communauté et profiter de la famille et tout ça pour gérer. Parce qu'en parler de ces problèmes, gérer le stress, c'est mieux. Et passer des bons moments, se socialiser, retourner vers ça, non pas être fixé sur un portable ou un laptop ou un truc et passer son temps sur Facebook. Ça, c'est le plus mauvais chose pour le stress. Hein. Parce qu'avec le stress, on a des problèmes de sommeil, on a des problèmes cognitifs, on a des problèmes de déprime. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et chaque personne doit se retrouver, se voir lui-même, quels sont ses problèmes, quelles sont ses priorités et prendre les choses un à un. Parce qu'on ne peut pas tout faire d'un jour, mais éplucher... et voir quelles sont les difficultés que j'ai et comment je vais continuer. Parce qu'il faut continuer à vivre et la vie, c'est comme ça. Il y a des obstacles, mais savoir comment gérer chaque chose correctement, ça doit aller. Docteur, vous le savez mieux que moi, ce n'est pas évident aujourd'hui de gérer le stress. Il y a le stress permanent, sinon le stress fait partie de notre quotidien. Le overstress. Ouais. Aujourd'hui, on parle d'un autre thème, on parle de la démence. Oui. Alors, expliquez-nous tout cela, qui est une maladie. Alors, expliquez aux gens, parce que vous êtes sur le terrain, je suis sûr que vous rencontrez beaucoup de personnes et vous êtes une professionnelle. Vous savez déjà, quand vous parlez à quelqu'un, si cette personne-là souffre, si cette personne est malade. Oui. Vous côtoyez beaucoup de personnes dans des situations très, très compliquées. Alors, parlez-nous de tout cela. Alors, la démence, c'est une maladie. Hein, ce n'est pas le vieillissement normal. La démence, c'est une maladie neurodégénérative. C'est une maladie du cerveau, donc de ça. Et les neurones qui commencent à être affectés pour différentes raisons. Donc, il y a plein de causes de la démence. La démence, c'est le terme que l'on se sert pour définir les symptômes comme la perte de mémoire récente, la désorientation, la difficulté avec les mots, le langage, faire son quotidien, et pouvoir gérer tout ça, avoir des problèmes de communication, avoir des difficultés à gérer le sommeil, le stress, pouvoir surtout pas être capable d'être la même personne, changement dans sa personnalité, changement dans les comportements. Et donc, c'est une panoplie de symptômes. Et la démence, comme je dis, c'est ça la démence. Donc, ce n'est pas le vieillissement normal. Et maintenant, nous avons différents types de démence. Et la démence la plus commune, c'est la maladie d'Alzheimer. Et puis, nous avons démence vasculaire, démence inflammatoire, démence infection, les méningites, démence due à l'alcool et les drogues. Et tout à l'heure, je vais faire une petite parenthèse parce que ça m'inquiète beaucoup pour Maurice. Les démences parkinsoniennes, les démences des tumeurs. Donc, il y a des... C'est beaucoup, docteur. C'est plein. La démence, c'est tout ça. La démence veut dire que le cerveau n'est plus comme avant. Il y a un dysfonctionnement, il y a une neurodégénération, veut dire que les neurones ne fonctionnent plus, la connectivité dans le cerveau ne passe pas bien. Est-ce que la personne souffre? Non, il ne faut pas se servir du mot « souffre ». La personne va vivre avec une démence. Quand ça a commencé, la maladie, elle est très longue, progressive. C'est quelque chose de qui prend le temps. On peut avoir une maladie d'Alzheimer qui va durer 7 à 15 ans, même 20 ans, si on le gère correctement. Mais parce que la démence, c'est en étape. Okay? Mais il y a des démences rapides, comme une tumeur. Il y a des démences rapides parce qu'on a fait un accident cérébrovasculaire. Mmh. Alors ça, c'est pourquoi quand les personnes commencent à avoir des symptômes dont j'ai mentionné les plusieurs et qu'on est vraiment en deux, trois symptômes,
et que les choses arrivent en étapes. Semaine dernière, j'avais perdu de mémoire. Cette semaine-ci, je ne me rappelle pas si mon enfant était venu semaine dernière pour me voir. Mm-hmm. Je ne me rappelle pas que mon voisin est décédé le mois dernier et je vais le rencontrer. J'arrive au bout du chemin et je ne sais pas si je prends gauche ou droite. Pourtant, c'est un chemin que je connais. Les coutumes, l'ordre que je fais, hein, mon quotidien est désorganisé. Soudainement, je me lève et je me dis, ben non, je vais travailler. Et avant de faire la toilette, préparer le petit-déj ou tout, je prends mon sac et je vais travailler. Donc, il y a des trucs importantes qui changent. Et ce n'est pas normal. Donc, c'est les gens autour et la personne aussi, si elle est assez intelligente, elle va savoir, oh, mais je ne suis pas comme j'étais. Et ça peut durer pendant un mois, deux mois, six mois. Et malheureusement, je veux dire, ce qu'il faudrait, c'est que les gens viennent plus vite. Malheureusement, on voit que les gens viennent trop tard pour le diagnostic. D'accord. Pour consulter un professionnel comme moi, ou un neurologue, ou un gériatre, mais quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Parce que c'est une maladie spécialisée. Mm-hmm. C'est pas donné. Il ne faut pas banaliser, et ça, je veux le dire maintenant, parce que, on sait, on blague, c'est mauricien. Tu as un problème de mémoire, ah, tu as la maladie d'Alzheimer. Il ne faut pas dire ça. Mm-hmm. Parce que la maladie d'Alzheimer, elle est très sérieuse. On n'a pas de guérison pour la maladie d'Alzheimer, mm-hmm. pour une démence comme ça. Il y a des démences qu'on peut soigner, comme j'ai dit tout à l'heure, là, une thrombose, un accident cérébral, un problème d'alcool, etc. On peut essayer de limiter les dégâts, mais quand on a fait le diagnostic, après plusieurs sessions, moi, c'est le bilan de la personne, l'examen physique, l'examen clinique, l'examen bilan sanguin, le CAT scan, le scanner, le MRI, mais les tests neuropsychologiques sont très importants. Donc moi, je travaille avec une équipe, hein, comme c'est pas moi seule, mm-hmm. et je vois la personne qui vit, qui a eu ces problèmes cognitifs, on va dire au début, allons dire, le dysfonctionnement cognitif, que je viens de dire tout cela, et qui viennent pour voir est-ce que j'ai une maladie, une démence Alzheimer ou vasculaire, quel type. Et là, ça prend du temps, les consultations, mais on doit faire tout ça d'un moment. Il ne faut pas être trop rapide, il faut comprendre et à chaque étape, accompagner cette personne qui vit avec ces problèmes et la famille. Actuellement, c'est la famille. Là, le mot, vous voyez, oui, la famille souffre. L'accompagnateur, le partenaire, vous voyez, la famille, les enfants et tout, eux, ils souffrent. Mais parce qu'ils souffrent d'être dépourvus, de ne pas avoir de soutien, de ne pas savoir qu'est-ce qui va se faire, parce qu'on ne peut pas prédire. On sait la difficulté que les gens auront. Et comme je dis, c'est des étapes. Et chaque personne, Josiane, qui vit avec un problème cognitif, alors on va voir, est-ce qu'il se sait, c'est tôt, c'est comme on dit, early onset, mild cognitive impairment, donc les deux, impairment cognitif, ou est-ce que ça va vers la démence? Et chaque personne va vivre sa démence ou sa maladie Alzheimer différemment, parce qu'on est différent. Mm-hmm. Notre culture, notre personnalité, notre éducation, notre façon de vivre, les trucs qu'on aime, qu'on n'aime pas, notre personnalité avant, est-ce qu'on était une personne autoritaire, difficile, agressive, vous voyez, tout ça. Pour moi, j'ai vu des milliers de personnes pendant tout ce temps, 10 ans, quand que je pratique spécialiste en maladie d'Alzheimer et démence. Chaque personne, chaque famille, pour moi, est différente. Et c'est ça l'important. L'important, c'est de prendre cette personne avec sa famille, tout à fait là, important, et leur donner le soutien un à un. Comment on dit en anglais, le personal-centered approach. Chaque personne, sa maladie, sa façon de gérer et comment on va gérer cette prise en charge, parce qu'il faudra, après avoir fait le diagnostic, continuer à soutenir cette personne et sa famille pendant les années qui va. On meurt bas subitement de la maladie d'Alzheimer. Deux questions avant de passer dans la seconde partie de l'émission. Est-ce que on peut prévenir la maladie d'Alzheimer? Par exemple, quelqu'un qui a peut-être aujourd'hui 40 ans, 50 ans, est-ce que la personne peut se préparer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas, peut-être dans le futur, ne pas être atteint de la maladie d'Alzheimer? Ça, c'est la première question. Ouais. Et deuxième question, est-ce que quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer peut tout oublier de son passé? La maladie d'Alzheimer, comme j'ai dit, c'est en étape. On commence à oublier les trucs récents, les moments récents, le passé, le premier semaine, deuxième semaine, trois semaines,
un mois, deux mois, on recule comme ça. Et on garde toujours le passé. Actuellement, la maladie d'Alzheimer, c'est le retour à l'enfance. Okay. Finalement, après les trois étapes, au dernier moment, on est retourné totalement dans l'enfance. D'accord. Et on se rappelle qu'on était enfant. On se rappelle, on voit les personnes autour de toi sont devenues la maman. Moi, je suis le bébé avec l'Alzheimer. C'est okay. Moi l'enfant. Et ma fille est ma maman. OK. Ou ma nièce. C'est l'inverse. C'est l'inverse. On retourne, hein, mais on n'oublie pas tout. Mais au dernier moment, là, c'est très... Là, la maladie, parce que c'est dans le cerveau, ça va affecter tous les différents centres importants. Et en dernier, oui, on arrête de manger, on arrête de bouger, on est grabataire sur le lit, on commence à avoir des infections et on va mourir de quelque chose. Mais voilà, ça, c'est les étapes. La première question était la prévention. Alors, prévention de l'Alzheimer elle-même, non. Mais prévention de la démence, oui. Ou repousser ce qu'on perd maintenant, c'est... Il n'y a pas de guérison, comme je dis. Il n'y a pas de médicament miracle, hein, parce que déjà, le cerveau commence à être affecté par cette maladie, peut-être 10 à 15 ans avant que les symptômes commencent. Mais docteur, est-ce qu'on ne peut pas vieillir, regarder toute sa tête et... Mais bon, c'est pas possible. On essaye parce que... Regardez les centenaires que vous avez, vous passez ça à la télévision tous les jours. Mm-hmm. Ils n'ont pas la main, ils n'ont pas la démence. Mm-hmm. La majorité des gens n'ont pas. Mm-hmm. On est quoi aujourd'hui? On va dire 1% de la population... Oui, en termes de pourcentage, c'est important de comprendre. 1% de la population de 60 ans à 65 ans peut avoir une démence, une maladie Alzheimer. Mais c'est beaucoup plus ces personnes âgées. Le plus de 80, 85 ans, c'est à peu près 15 à 20%. Mais on a l'Alzheimer elle-même, la maladie, on peut avoir le côté génétique familial, Alzheimer familial, qui est là très tôt. Et ça, aujourd'hui, dans les grands centres, on peut savoir. On a des biomarkers, on fait des tests dans la moelle épinière pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau. Et on a commencé à avoir les tests sanguins maintenant. Mais c'est très, très cher, c'est dans les recherches. Mais ça va venir, on travaille là-dessus. Et là, on pourra savoir, oui, si vous allez. Parce que si, oui, le grand-père l'a eu, ou la grand-mère, et la fille, et puis ça se suit. Là, c'est héréditaire, c'est jeune. Mais la plupart des gens, c'est là-haut, 50, 60 ans. Mais oui, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on a les 12 facteurs de risque pour la démence et l'Alzheimer. Et les facteurs sont, premièrement, c'est l'âge, comme j'ai dit, mais le problème, les maladies cardiovasculaires. Et Maurice, on est on top of the list. Donc, tout ça, soignez votre diabète tôt. Allez vous faire, faites de sorte que vous n'avez pas de diabète, soignez-le. L'hypertension. On va passer lentement là-dessus, docteur, pour que les gens comprennent bien. C'est extrêmement important ce qu'on vient de dire. Voilà. Alors, le diabète, un des facteurs. L'hypertension, l'obésité, le taux de cholestérol élevé, les problèmes de surdité. La pollution de l'air, pas rester dans des trucs fermés et tout, oui. Le problème d'isolation sociale, rester seul sur son ordinateur pendant des heures, ou sur son portable, ou sur son Facebook, n'est pas bon. Les alcools et les drogues, et là, je fais la parenthèse, parce qu'à Maurice, je suis déçue. En ce moment, je travaillais pendant, vous savez, 30 ans là-dedans, on avait débuté avec la santé mentale, les problèmes de drogue, et la drogue, elle est là, Maurice, aujourd'hui. Et surtout ces drogues qu'on appelle synthétiques. Ça bousille le cerveau. Et je suis anxieuse, moi, quand je pense que malheureusement, on aura des jeunes démons à Maurice. Quarantaine, cinquantaine, à cause de la démence. Surtout par rapport à... Oui, à cause des drogues. À cause des drogues. Et puis, comme j'ai dit, la dépression, si on a une dépression dans l'âge des quarantaines ou trentaines, il faut la soigner parce que les étapes dépressives, ce n'est pas bon. Et aussi, qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai tout dit, les 12 facteurs. Donc, si on est arrivé à un âge, c'est mieux de commencer le plus tôt, mais si on peut avoir une bonne santé physique et mentale. Hygiène de vie. Physique et mentale. L'émotion, tu vois, gérer. On a débuté par ça, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est savoir gérer ses émotions. On peut avoir de la tristesse, on peut être agacé, on peut être en colère. C'est des trucs normaux. Il faut faire apprendre aux enfants à grandir que oui, c'est ça, mais comment les gérer? Non pas parce que je suis en colère, je vais taper quelqu'un. Gestion. Non, gestion de ça. Avoir des life skills. Soigner sa santé mentale. Faire des activités, pas seulement physiques. Vous voyez, moi, je vois les gens aller courir ou faire des trucs comme ça. Et puis, en même temps, ils sont en train de discuter des problèmes, ils sont en train de critiquer les gens, ils mettent le stress sur eux. C'est pas là, ça. Quand on fait l'exercice physique, que ce soit 30 minutes, on va concentrer dévider, là-dessus. Voilà. Dévider le cerveau, donc éviter le stress, l'anxiété et tout, et se soigner
par des méthodes de relaxation, de yoga, de mindfulness, qui est très bon. C'est quelque chose de très intéressant. Donc, tout cela, avoir eu ça, rencontrer ses amis, avoir une bonne blague. Hier, on disait rire vraiment d'un beaucoup. Vous savez, le laughter therapy, rire dans le ventre, là, s'éclater, ça nous aide parce que ça nous déstresse beaucoup. Donc, tout ce qui est positif, donc, positif parce que de toute façon, on dit ce qui est bon pour le cœur est bon pour la tête. Dans toutes les façons. Hein. Oui, oui. Ce qui est bon pour le cœur, être happy. Oui. Si on est malheureux dans une relation, eh ben, on casse ça, hein, on quitte, on part. Hein. Enfin, ça, c'est pas possible. Vivre cela. Vous voyez, la violence, les trucs émotionnels, ça pèse et ça s'accumule. Donc, ça tue. Alors, une bonne hygiène de vie et ça, pour nous mettre dans une situation mieux à gérer. Parce que notre mental, c'est tellement fragile. Vous savez, si ceux qui font la biologie, là, vous ouvrez le cerveau et vous voyez... La cervelle, elle est molle, elle est fragile, elle est bien entourée par le cranium, les os, mais le crâne, quoi. Mais fragile dans toutes les façons que si à chaque fois on met des éléments qui vont vraiment apporter, qui vont agresser notre cerveau, c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà. Passionnant ce que vous êtes en train de nous raconter et en même temps très important pour notre santé. Il y a des précautions à prendre. Oui. Parce que très souvent, on voit les articles dans la presse, il y a des gens qui sont perdus, on ne les retrouve pas. Très souvent, ces gens-là ont des problèmes de démence. Voilà. Alors, je pense que les proches doivent faire très attention. Mais attention dans le sens que, voilà, moi, nous, on fait la sensibilisation, ça fait 10 ans qu'on parle de si les gens ont des symptômes, si on est vraiment, on veut aider ses parents, les personnes âgées, il faut les emmener consulter. On ne peut pas les garder et dire que c'est normal, que c'est le vieillissement. Ce n'est pas le vieillissement normal. Et quand on apprend avec le professionnel que la personne, notre famille, quelqu'un de proche, a une démence. Et là, on va lui dire quelles sont les précautions. Et puis, on va les diriger vers le centre d'Alzheimer, l'association Alzheimer, beaucoup plus. Vous parlez du centre, docteur, exactement, c'est important. L'association Alzheimer, elle est là depuis plus de 10 ans, le centre de jour, et nous donnons un service. Mais on a les 5 objectifs sont l'éducation, la sensibilisation. Donc, on fait le tour de Maurice. On va dans les centres sociaux, on va partout pour parler de la démence et l'Alzheimer, que c'est une maladie qu'il faut considérer. Deuxièmement, on apporte dans le centre de jour tout un soutien aux personnes qui vivent avec leur maladie d'Alzheimer. Et là, on donne un service journalier pendant la semaine, lundi à vendredi. Donc, les patients sont emmenés par leur famille. Ils sont déposés chez nous. Ils passent une journée agréable avec toutes sortes d'activités. La reminiscence, la stimulation cognitive, la danse, la musique, les poèmes. Tout ce qui est intéressant pour continuer à développer le cognitif. Et aussi garder, le plus important, c'est garder l'autonomie et l'indépendance de la personne. Donc, la famille aussi a un moment de répit parce qu'ils déposent, ils sont sans problème, ils déposent le patient chez nous, ils partent se promener, faire les affaires une journée, et puis l'après-midi, le reprend. Et là, on a tout ce travail qui est fait au centre. Ils ont un plan pour chaque personne. Alors, ils le répètent chez eux pendant la semaine. Et ça, c'est important. C'est garder un plan, une organisation et faire des trucs répétitifs parce que l'entraînement du cerveau doit continuer. Ce n'est pas parce qu'une partie a eu une maladie, on abandonne. Donc, on continue. Donc, tout ça, le soutien des parents, on fait le parenting support group. Alors, notre équipe est nurse, infirmière, psychologue, orthophoniste, thérapeute, animateur, médecin et tout. On donne ce soutien multidisciplinaire pour la personne vivant avec sa démence, son Alzheimer, et la famille. Donc, la famille, le socio-centre abondé. On est là au bout du téléphone, on est là sur le mail, on est là sur le website. Donc, on peut prendre contact avec nous, venir visiter le centre pour voir si votre personne, il faut que la personne soit mobile. Bon, la personne n'est pas au stage 3 de la démence, mais au début et au deuxième degré. Et il y a tout ça, il faut continuer à vivre bien avec sa démence ou sa maladie d'Alzheimer, et la famille doit se sentir soulagée, doit se sentir qu'on est là pour eux.
Et c'est ça. Donc, pas abandonner. Parce que la famille, comme je dis, oui, souffre. Parce que la famille, elle va être fatiguée. Parfois, c'est une seule personne qui s'occupe d'une personne. Donc, vous voyez, et là, on leur dit quelles sont les précautions à prendre, comment gérer et comment vivre chaque étape de cette maladie. Parce que, comme j'ai dit, chaque personne vit sa démence différemment, accordant qu'est-ce qu'il est, sa personne et tout. Vous voyez, il n'y a pas de one treatment for all. Nous, on est, il n'y a pas de médicaments, hein, très peu. Même les comportements difficiles, même l'insomnie, même tout ça, on gère par tout ça, par des traitements non pharmacologiques. Très peu de médicaments, mais beaucoup de soutien psychosocial, beaucoup de compréhension, beaucoup d'attention, mais surtout l'amour et l'affection. Je suis sûr là que beaucoup de personnes, des proches ou des personnes, se sentent concernées par ce que vous êtes en train de dire. Oui. Alors, dites-nous comment faire pour contacter le centre, comment venir dans le centre du jour, comment faire partie. Alors, dites-nous ça parce que je suis sûr que les gens vont vouloir Voilà. Venir le centre. Vous avez le truc, c'est l'association Alzheimer, on peut taper sur Google, association Alzheimer de Maurice, 466-0731, et puis le website alzheimer-mauritius.com. Alors, passez, téléphonez-nous, venez rendre visite et venez prendre des informations, et là, on va faire un bilan, parce qu'il faut que la personne soit déjà diagnostiquée. Hein. Dans le centre, je ne fais pas le diagnostic, donc il a été diagnostiqué par un spécialiste, qui dit, oui, il a une démence, quel type de démence et quel stage de la démence elle est. À ce moment-là. Et là, il vient chez nous, et là, on va faire tout un dossier chez cette personne, apprendre à connaître la personne, et là, ils vont venir, on va le caser d'un jour, parce que le groupe qui vient lundi retourne le lundi, parce qu'on est petit pour le moment, on n'a pas des grands moyens, on est une ONG, hein, on n'a pas beaucoup de sous, et là aussi, on demande, en même temps, on profite, ceux qui viennent, s'ils peuvent nous faire des donations, ils peuvent sponsoriser. Beaucoup, les familles... Lancez l'appel, docteur. Beaucoup des familles qui ont quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, ça, ils nous donnent ce soutien. Donc, on compte beaucoup sur les contributions des familles, des amis, etc. Vous pouvez nous joindre, être volontaire aussi, venir d'apporter. Je ne sais pas moi, si vous êtes un musicien, un artiste, venez passer un moment dans l'atelier avec nos personnes qui ont une démence. On fait des petits ateliers. Faites une bonne action. Il faut faire une bonne action. Toujours. Des bonnes actions. Moi, je sais, les Mauriciens, ils en ont. Parfois, ils ne savent pas quoi faire. Et les gens me disent, qu'est-ce que je peux faire? Je dis, viens, venez voir, venez nous visiter. Et là, vous allez voir où vous pouvez nous aider. Et on vous remercie tous pour ça. Vous êtes très, très généreux. Docteur Amina Sourifane, je vais vous dire merci. Bonne continuation et bon courage. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à toute l'équipe et continuez à nous suivre sur les chaînes de la MBC. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir.